Le Lévitique, chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure.